amis, ça y est, c'est officiel, le Ford F-150 est homologué, ça va être le thème de la vidéo, toute l'homologation, comment ça s'est passé, combien ça m'a coûté, est-ce que ça a été chiant ou pas, est-ce que j'ai eu des problèmes ou pas. Bon, vous commencez à savoir que j'ai eu pas mal de problèmes sur l'importation de ce Ford F-150, mais en tout cas, tout est terminé puisque je viens enfin de poser mes petites plaques françaises. Donc les amis, c'est parti, on évoque tous les sujets. Les amis, 2 minutes dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de Car Vertical. Car Vertical, le sponsor de cette vidéo. Car Vertical, c'est quoi? C'est tout simplement un site très pratique qui permettra de faire des vérifications sur votre véhicule avant son achat. Donc Car Vertical, ça s'écrit comme ceci. Il vous suffira tout simplement de mettre la plaque d'immatriculation ou le VIN pour avoir des informations plus précises dans la barre de recherche ici. Ensuite, vous faites vérifier votre voiture, ça vous éditera un rapport. Ça va vous permettre tout simplement voir l'historique dans le monde entier de votre voiture concernant le kilométrage, s'il a été modifié, donc des fraudes, si le véhicule a été volé quelque part en Europe, mais aussi si le véhicule a subi un accident et la gravité de cet accident. Donc ça vous éditera ce rapport-là qui vous permettra de faire toutes ces vérifications. Donc on va parcourir en l'occurrence le rapport de celui-ci à titre d'exemple. Donc là on voit que le véhicule n'a pas été volé. On voit que le kilométrage est correct, donc on a une évolution constante. On n'a pas un pic de baisse qui pourrait signifier que le compteur a été modifié. Ensuite, on continue à descendre et là, à l'inverse, on voit que le véhicule a bien subi des dommages, donc un accident. Donc là, ça va être très important de vérifier ça dessus. On a les données techniques du véhicule, notamment avec le prix sur lequel il est au marché aujourd'hui. On a les différents équipements et les informations techniques du véhicule. On retrouve toutes les options d'équipement juste ici. Et là, on va avoir le dossier photo sur les accidents recensés grâce à Car Vertical. Donc là, il suffira de naviguer pour voir un petit peu la gravité du choc. Si c'est un choc léger, type changement de pare-choc, changement de portière, bon bah, à vous de négocier le prix de la voiture. À l'inverse, si le choc est très important, là, c'est différent. Sur ce type d'exemple, on dirait que ça a plutôt été un départ d'incendie puisqu'on essaie de voir un petit peu des traces d'extincteur. Donc, ça laisserait présager, voilà, vraiment quelque chose ou une inondation, peut-être une inondation, oui. Donc, normalement, vous avez toutes les données techniques, donc les photos des experts qui ont été réalisées, etc. Donc là, voilà, on voit bien que ça a été une inondation. Hein. On voit qu'il y a de la boue partout sur le véhicule. Donc là, on sait que le véhicule a été endommagé. Donc après, libre à vous de prendre la décision ou non d'acheter le véhicule. Mais en tout cas, vous l'achetez en connaissance de cause et ça permettra d'éviter de se faire arnaquer. Donc Car Vertical, c'est 15 €. Vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'instant. Et les amis, on continue tout de suite la vidéo. Bon les amis, ça y est, on se retrouve pour parler un petit peu de cette homologation. Alors petit rappel, j'ai acheté ce Ford F-150 à Dubaï mars 2022. Il est arrivé en Normandie au port, si je dis pas de bêtises, le 21 juillet 2022. Donc j'ai pu en prendre acquisition directement puisque j'avais fait faire des plaques d'exportation sur Dubaï. Donc en fait, ça vous permet tout simplement de rouler pendant une période de 8 mois en France, légalement, le temps tout simplement de faire vos papiers. Donc c'est pour ça que j'ai pu immédiatement récupérer mon Ford et bénéficier de pouvoir en profiter. Maintenant, ça a un coût, ça coûte environ 600 € à faire sur place. Alors, je n'ai pas le prix exact, je crois que c'est dans les 560. Dites-vous qu'à 600, vous êtes largement large. Et du coup, ça vous permet de pouvoir, bah, on est tous pressés, hein, donc immédiatement pouvoir en profiter et accessoirement pouvoir prendre le temps de faire les démarches d'homologation pour enfin avoir le Saint Graal, la carte grise et les plaques françaises. Alors, ça peut prendre du temps et ça peut être entre guillemets rapide. Ça va dépendre des organismes. Donc, vous voyez, j'ai tous les papiers qui sont là. Je vais vous sortir tout ce que j'ai pu avoir directement sur place. On a pu vous faire des petits rushs. Je remercie encore RD Car Service qui s'est occupé de la prestation d'homologation de ce véhicule et qui nous a permis de pouvoir suivre tout au long, étape par étape, de cette homologation. Donc déjà, je suis passé par un professionnel pour l'homologation. J'aurais pu économiser, on va dire, allez, 2 000 € en faisant moi-même l'homologation, sauf que faire soi-même, c'est aussi énormément de chances de pouvoir se planter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 000 €, c'est pas forcément du net dans la poche de l'homologateur, puisque l'homologateur aura besoin aussi d'investir son matériel, donc des lignes d'échappement, du matériel tout simplement pour rendre conforme votre voiture pour le passage. Donc ne vous dites pas, si je le fais, je gagne 2 000 €, vous gagnez 2 000 € uniquement si vous avez déjà les pièces et que vous n'avez rien à acheter. Si vous avez des miroirs à changer, une ligne d'échappement, un catalyseur, un machin, vous pouvez vite perdre de l'argent. Donc moi personnellement, c'est pas mon métier, il y a des gens qui savent faire. Je me suis dit, je préfère
perdre 2000 euros que plutôt de vouloir faire le radin d'en gagner et que ça peut me coûter du coup plus cher. Parce que ce qu'il faut savoir, on va en parler juste après, c'est quand vous passez à l'UTAC, si vous avez un échec, et bien tout simplement, il faut repasser et repayer. C'est pas vous passer à vie et vous payer qu'une seule fois, non, non, non. Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr et certain que ça passe du premier coup, sinon directement votre bénéfice, il s'en va. Je vais chercher tout de suite les papiers et on va parler un petit peu en détail de l'homologation et du prix. Bon, ça y est, j'ai le Graal, le lot de papiers. Donc, on va reprendre toutes les étapes en ligne, dans le sens de comment ça s'est passé. Donc, je réceptionne mon Ford F-150, je récupère en plaque bleue, donc plaque d'exportation, ce qui me permet d'avoir 8 mois devant moi pour obtenir mes plaques françaises et le tout pouvant profiter tout simplement de mon véhicule. Donc, première étape. Moi, j'ai tout fait en prestation chez RD Car Service à Caen. Voilà, et franchement, avis totalement objectif, j'ai pas eu de ristourne, j'ai rien eu du tout. Ils sont super pros, c'est des gars qui sont super bien, j'ai été tenu informé à chaque fois. Les rendez-vous sont faits de manière rapide, ils prennent soin du véhicule. Franchement, si vous avez une américaine à faire homologuer, n'hésitez pas à Caen RD Car Service, ça me fait plaisir de leur faire de la pub parce que franchement, j'ai été content du début à la fin. J'ai même eu contact avant même que le bateau arrive et j'avais déjà une prise de rendez-vous, etc. Mon besoin était que ça aille vite pour pouvoir en profiter puisque c'était mon véhicule de tous les jours et franchement, ils se sont, je dirais, adaptés à mes contraintes. Donc franchement, bravo à eux et je peux que les recommander. Donc, première étape, en gros, ça va être de passer l'UTAC. L'UTAC, je vous mets un petit logo ici, c'est un organisme qui va tout simplement gérer les homologations, les règles, les normes, appelez ça comme vous voulez, de sécurité, de pollution, de tout ce que vous voulez sur votre véhicule. Donc, c'est un organisme qui est privé, c'est aujourd'hui le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, puisque c'est eux et uniquement eux qui décident. Donc, c'est un endroit qui est hyper sécurisé, hyper clos, vous n'avez pas le droit de prendre de photos, vous n'avez pas le droit de filmer, donc on vous a filmé un petit peu les morceaux de notre voyage, à l'UTAC avec RD Car Service, donc avec Romain en l'occurrence. On vous a filmé la sortie, etc. Mais dedans, c'est un lieu totalement clos et on n'a absolument rien droit de montrer. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le vivre pour pouvoir vous l'expliquer. Donc, l'UTAC, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la facture ici, hop, et ça coûte 1974 €. Donc, en fait, là, ça fait partie des 5 000 € d'homologation de mon véhicule. Donc, on est à 5 000 €. Tout compris pour l'homologation, mais dans ces 5 000 €-là, dans ces 5 000 €-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sous qui partent dans l'administration française ou ces organismes privés. Et tous les 5 000 € ne sont pas reversés à la société qui va faire l'homologation. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous ai pris la facture, enfin les factures, pour tout vous expliquer. Donc vous prenez 5 000 € et j'ai dû verser 1974 € à tout simplement la société UTAC. Donc, ça, c'est uniquement pour obtenir le papier de conformité à l'UTAC qui va vous permettre de pouvoir faire la suite de l'homologation, en l'occurrence l'Adréal et les demandes de carte grise. Avant de vous rendre à l'UTAC, vous avez plusieurs étapes. Et là, il faut quand même que je m'y attarde parce que vous allez rigoler un petit peu. Forcément, chat noir, bonjour, ça ne pouvait pas bien se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose, votre véhicule arrive, la première chose à faire, c'est d'attendre de recevoir le papier 846A. Alors, je vous le montre, je vais juste mettre ma main parce qu'il y a des informations confidentielles dessus. Voilà, 846A, donc on le retrouve en haut à gauche. C'est le papier de la douane. Ça veut dire que la douane a bien réceptionné au port votre véhicule, que c'est bien dédouané et que c'est conformément en règle en vigueur dans le pays. Voilà, bon, moi, première étape, j'ai eu ce papier-là, la douane. Alors, je le retourne juste parce qu'il y a des informations privées et confidentielles dessus. La douane, déjà, a bien commencé puisqu'en fait, vous fournissez des justificatifs de domicile, etc., etc., à la réception et en fait, ils se sont plantés dans mon adresse. Ce qui fait que je l'ai reçu et qu'on ne pouvait pas faire les étapes suivantes, c'est-à-dire l'UTAC. Puisque, je le rappelle, si ce papier est erroné, bah, tout simplement, votre véhicule ne peut pas être homologué. Donc, faites bien attention quand vous le recevez chez vous et vous le recevez en recommandé avec accusé de réception. Pour histoire que vous ne puissiez pas dire que vous ne l'avez pas reçu, c'est tamponné de la douane. Donc la première galère qui arrive, il a fallu recontacter la douane, renvoyer le papier, refaire les modifications. Bref, on a pris un mois dans la vue juste avec ce problème-là, qui malheureusement est encore un problème de chat noir, mais qui m'est arrivé. Donc ça, première étape, attendre de recevoir le 846A. En gros,
Pour résumer, ça veut dire que votre voiture est bien arrivée sur le territoire français, qu'elle est bien OK, dédouanée, vous avez payé la douane en vigueur, etc. Donc en gros, ça y est, elle vous appartient, vous ne devez plus rien à l'État. En gros, ça veut dire ça. Et avec ce papier officiel, vous avez le numéro de châssis, vous avez tout, etc. Donc c'est bien cette voiture-là, et uniquement cette voiture-là et pas une autre. Voilà, en gros, ça vous permet. Deuxième étape. Vous avez réceptionné le bateau, vous avez votre 846A, super, tout commence bien. Si pas comme moi, vous avez des erreurs dans l'adresse, il va falloir passer un contrôle technique français. Donc un contrôle technique sur le territoire français. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas le contrôle technique, vous ne pouvez pas accéder aux étapes suivantes et même pire, vous ne pourrez tout simplement pas faire de carte grise. Le contrôle technique est hyper intéressant pour les sociétés d'homologateurs puisqu'elle va pouvoir déterminer la puissance de freinage du frein à main, etc., etc., les équilibrages, etc., qui seront contrôlés à l'UTAC. Donc ça permet d'avoir déjà un premier dégrossi de certains points communs avec l'UTAC pour éviter d'être recalé. Donc ça permettra peut-être aussi au propriétaire de lui dire « Attention, tes freins arrière sont morts, ton système de frein à main, il y a un déséquilibre, ça passera pas à l'UTAC. » Donc faut faire les frais avant d'aller à l'UTAC. Sinon, tu vas être recalé, tu paieras deux fois l'UTAC. Donc voilà, ça permet déjà un dégrossi et qui plus est, c'est simplement obligatoire pour rouler sur le territoire français et c'est surtout obligatoire pour obtenir la carte grise. Donc ça, on va dire que le contrôle technique, c'est OK. Maintenant, il va vous falloir obtenir un certificat de conformité, ce qu'on appelle le COC ou appelé aussi le COC. En fait, c'est un certificat de conformité ou de non-conformité, bien sûr, qui va être édité par la marque du véhicule. Donc, il faut tout simplement, si vous avez un Ford, faire une demande à Ford. Si vous avez une Ferrari, faire une demande à Ferrari. Si vous avez une Porsche, faire une demande à Porsche. Bref, vous l'avez compris. Et en gros, avec le numéro de châssis, donc la marque va vous demander le numéro de châssis à deux endroits, la frappe à froid, etc., avec des photos pour vérifier que vous ne demandez pas pour faire une fraude ou une falsification. Ensuite, la marque va éditer un certificat de conformité, de non-conformité ou de conformité partielle. Et ça va vous indiquer clairement ce qu'il faut faire pour le territoire français pour pouvoir rouler. Je prends l'exemple. On va avoir des clignotants qui vont être rouges aux US alors qu'en France, c'est orange. On va avoir des vitres de rétroviseur qui n'auront pas le même angle qu'en France. On va avoir des normes de pollution, donc normes de bruit et de pollution qui vont varier si vous êtes aux USA ou en France, ou plutôt en Europe. Parce que si votre véhicule provient de l'Europe, elles seront soumises aux mêmes normes. Si elles proviennent hors Europe, elles seront non conformes ou conformes partielles. Donc bien évidemment, si vous avez un véhicule non conforme, la liste de choses à faire dessus pour la mettre conforme sera plus importante que si vous avez une conformité partielle. Donc déjà, avec le COC, vous allez avoir un avis de ce que va vous coûter votre homologation si vous le faites vous-même. Si vous le faites par un professionnel, de toute façon, c'est un forfait, c'est un professionnel, il connaît son métier, donc techniquement, il sait déjà ce que lui, ça va lui coûter. Mais c'est un document obligatoire avant d'aller à l'UTAC. Donc maintenant, moi, vous voyez, attestation de non-conformité. Donc le véhicule était tout simplement pas conforme au marché européen. Alors là, on a toutes les infos, etc. Mais en gros, maintenant qu'on sait que Ford nous a fourni le descriptif du Ford, donc voilà, on a tout dessus et qu'on sait qu'il est non conforme, eh ben, on va pouvoir aller à l'étape suivante, l'UTAC, pour le rendre conforme. Donc l'UTAC va permettre de passer d'un véhicule non conforme à un véhicule conforme. Alors, il ne suffit pas de payer les 1974 euros de l'UTAC qu'on voit ici. Donc, je rappelle que le total, c'est un forfait de 5 000 euros. Dans ces 5 000 euros-là, il y a 1974 euros d'UTAC qui n'iront pas dans les poches de l'homologateur. Ça, c'est directement à payer à l'UTAC. Donc, j'ai fait un virement de 1974 euros à l'UTAC pour pouvoir présenter mon véhicule à l'UTAC dans leurs locaux. Donc, maintenant, le principe de l'UTAC, comme je vous ai dit, c'est de passer d'un véhicule non conforme ou conforme partiel à un véhicule conforme au marché français ou européen. Donc, il va falloir effectuer des modifications sur ce véhicule-là pour le rendre conforme. En l'occurrence, le bruit à l'échappement, donc les décibels, la pollution, les formats de roues, de pneus, les vitrages. Donc, il faut que les vitres soient conformes aux conformités françaises et européennes. On va avoir également les angles de vitres de rétroviseur. Bref, il y a toute une liste qui est nommée que les professionnels ont l'habitude de faire. Voilà, c'est pour ça que je suis passé par un professionnel et que je vous recommande de passer par un professionnel parce que franchement,
on peut vite oublier un truc. Et en gros, l'UTAC va reprendre tout la liste de choses à faire. Donc vous voyez, là par exemple, deuxième page, on a le niveau sonore, le champ de vision, l'antiparasitage, la pollution, le freinage, la pesée, parce qu'il faut que le poids du véhicule soit conforme, les émissions équivalentes et leur remorque. Donc en fait, la remorque, c'est simplement savoir combien de poids votre voiture a le droit de remorquer. Donc, on prépare bien évidemment son véhicule avant pour le rendre conforme, parce que le but, c'est quand même qu'il soit conforme pour le passer, sinon ça peut vite vous coûter cher. Et l'UTAC va tout recontrôler, donc avec des appareils, des trucs de mesure. Par exemple, je peux vous décrire, là, ils mettent un big bag de 800 kg dans la benne, ils vont sur une piste et ils font des essais de freinage pour savoir si tu respectes les distances de freinage, puissance de freinage, etc. Pour le frein à main, toujours chargé, ils se mettent dans un dévers, ils mettent le frein à main et en gros, ta voiture doit pas bouger. Si ta voiture bouge, une roue ou l'autre, etc., et ben, tout simplement, tu as un déséquilibre ou un manque de puissance, c'est recalé. Ils ont des appareils, des espèces de robots qui vont vous mettre sur les sièges pour vérifier des angles morts, les angles des fenêtres, enfin des fenêtres, des vitres de rétroviseur, etc. Et ben, faut que ce soit conforme, sinon essayez pas de bidouiller, ça va pas passer. Clairement, c'est ultra précis. Ils ont des appareils de mesure sonore qu'ils mettent derrière la voiture pour vérifier les émissions sonores. Ils ont des appareils anti-pollution plus poussés qu'au contrôle technique qu'ils vont mettre dans l'échappement pour vérifier que votre véhicule ne pollue pas plus que les normes en vigueur. On va avoir tout un tas de choses comme ça. Ils vont vérifier les roues, le poids. Donc, le véhicule est pesé sur des balances pour voir s'il respecte bien le poids par rapport au certificat de conformité, à l'homologation. Donc, si on va passer en 4 places ou 5 places. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le passer en 5 places puisque au niveau du poids, j'étais inférieur à je sais plus combien. Là, voilà, les sociétés savent mieux que moi. Mais en gros, il y a deux catégories. Soit tu es trop juste et tu es en 4 places, soit tu es large. Moi, j'étais large et tu pouvais le faire en 5 places. J'ai préféré le faire en 5 places. A des avantages, des désavantages. Les désavantages, c'est que si tu es sur une société, tu paieras des taxes et tu paieras plus cher ta carte grise. Si tu es en particulier, ça ne changera rien. Mais en gros, c'est pour faciliter la revente du point de vue professionnel. Étant donné que moi, c'est mon véhicule immatriculé en particulier, que je m'en sers pour la famille, je préférerais avoir que la 5e place, ça évitera tout problème d'assurance en cas d'accident. Voilà concrètement à quoi sert l'UTAC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez jamais y pénétrer, vous ne pourrez jamais prendre une photo à l'intérieur, jamais filmer, c'est totalement interdit. Même dès que vous êtes un peu trop curieux, paf, il ferme les portes, voilà, vous ne voyez rien. Moi, j'ai pu le vivre de l'intérieur, mais je ne peux pas vous transmettre de photos, c'est tout simplement interdit. Et le but n'étant pas de porter préjudice ni à l'UTAC, ni à personne. Donc voilà, je garderai tout ça secret, rien n'a été filmé, rien n'a été pris en photo. Mais en tout cas, dans ma mémoire, je sais maintenant comment ça se passe. Et c'est pour ça que j'essaie de vous retranscrire un petit peu tout ça. Et une chose est sûre, les gars, c'est que vous ne pourrez pas tricher à l'UTAC. Donc l'UTAC, on va dire que c'est le point le plus dur à passer, puisque ça nécessite de mettre en conformité le véhicule et tout va être scrupuleusement vérifié par des professionnels dédiés à ça, payés pour ça. Donc il n'y aura pas de sous-table, il n'y aura rien de tout ça, ça doit être fait nickel. Donc une fois que vous avez payé l'UTAC, ce qui est le plus dur à faire, le plus cher, vous respirez. Parce que techniquement, si ça passe à l'UTAC, ça passera à l'ADREAL. Parce que l'ADREAL va vérifier la même chose que l'UTAC a déjà vérifié. Oui, c'est bête, mais c'est deux organismes différents. Sauf que l'ADREAL est quand même moins poussé que l'UTAC. Donc quand vous avez passé l'UTAC, c'est bon, vous pouvez vous dire, c'est bon, cette fois, mon véhicule, il sera homologué. C'est plus qu'une question de temps. Sachant qu'il est aussi, entre guillemets, important de préciser qu'il y a du délai pour passer un véhicule à l'UTAC et c'est pas vous qui choisissez, c'est eux qui vous proposent des dates et si vous n'êtes pas d'accord, vous attendrez un mois de plus. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe, mais on va dire que c'est le point noir de l'homologation. Donc une fois que vous avez passé votre UTAC, déjà première chose à faire, c'est déboucher la petite bouteille de whisky, de prendre un petit verre en disant « j'ai fait le plus dur ». Voilà. Ensuite, vous recevez bien évidemment un compte-rendu, donc ce papier-là de l'UTAC pour vous dire votre voiture est conforme ou alors elle est conforme là, mais là, c'est pas conforme. Donc, du coup, il faudra repasser tel test. Donc, du coup, il faudra repayer bien sûr et reprendre un rendez-vous, etc. Mais en tout cas, vous récupérez à la fin un bilan. Donc, soit tout est conforme, super, c'est validé. Soit c'est partiellement conforme, il faudra revenir. Soit tout n'est pas conforme et dans ce cas-là, vous avez loupé quelque chose parce que ça va vous coûter très cher. Donc, maintenant que vous avez passé l'UTAC, place au reste, c'est-à-dire à l'ADREAL et du coup après à la partie administrative. Alors là, j'ai le reste de la facture des 5000 euros. Donc ça a été à payer à RD Car Service. Pour ça, du coup, j'ai une facture RD Car Service. Ça, c'est l'argent que moi, je leur ai donné et vous allez voir dedans ce qui leur revient et ce qui leur revient pas. Contrôle technique. Du coup, c'est eux qui ont payé le contrôle technique, c'est pas moi. Comme ça, ils ont l'habitude. Ça permet de voir avec leur contrôleur technique de faire des tests un petit peu plus poussés pour préparer le véhicule à l'UTAC, comme je vous ai dit.
On a dans ce prix-là le certificat de conformité, donc le COC, d'une valeur de 208 euros. Oui, c'est pas donné. On a le passage à l'Adréal d'une valeur de 87 euros. On aura également un forfait carburant. Bon, bah là, moi, c'était pas vraiment appliqué puisque c'est moi qui ai amené le véhicule à chaque fois, etc. Mais encore une fois, c'est moi qui leur ai demandé parce que j'avais besoin du véhicule. Donc, à chaque fois, je le rendais disponible sur place. Ils le gardaient 48 heures. Je faisais la route, je le récupérais. Donc, voilà, eux n'ont pas vraiment eu de carburant à mettre dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas à 150 balles près. Ils ont fait le boulot. Et honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, on a forfait carburant. Après, on a le passage WW. Donc, ça, c'est pareil. Moi, j'en ai pas eu besoin puisque j'avais des plaques bleues. Mais si vous avez des plaques standards qui ne vous donnent pas le droit de rouler sur la route, eh ben, ils vous fourniront des WW provisoires qui vous permettra, si je dis pas de bêtises, de rouler 2 ou 3 mois sur les routes françaises. Ensuite, vous avez une ligne Ford Raptor. Donc, ça, c'est tout simplement ce que eux vont encaisser. Donc, sur les 5000 euros de forfait d'homologation, eux ne toucheront que 1775 euros. C'est-à-dire moins qu'un passage à l'UTAC. Alors, c'est beaucoup, hein, 1700 euros de prestation, je vous l'accorde. Mais ils bossent quand même sur le faisceau, faut qu'ils changent les roues, qu'ils changent la ligne d'échappement. Il y a toute une liste de préparation du véhicule à faire qui prend des heures. Dedans est aussi compté le dépotage du conteneur, donc la sortie du véhicule du conteneur. Donc, il y a le quai, il y a tout ça. Il y a aussi le temps passé pour emmener le véhicule à l'UTAC, hein, parce que l'UTAC, il n'y en a qu'un seul en France. Enfin, il y en a deux maintenant, il y en a un dans le sud. Mais dans toute la partie nord de la France, c'est à Montlhéry. Donc, il y a aussi, quand Montlhéry, il y a du temps à passer. Hein. Il y a 3h30 de route aller, 3h30 de route retour. On aura également le temps passé à l'Adréal. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses compris dans ces 1775 euros. Donc personnellement, oui, c'est un budget. Est-ce que c'est cher? Moi, je trouve que c'est plus qu'honnête. Parce que si on remet à le faire soi-même, en gros, on va gagner le contrôle technique, on l'aura. Le certificat de conformité, on l'aura. L'Adréal, on l'aura. On va gagner 125 euros de frais de carburant. Et on va gagner 144 euros. Allez, on va gagner 1900 euros, on va dire. 1900 euros, si on reprend la facture de l'UTAC. Facture de l'UTAC, 1974 euros d'UTAC. Donc en fait, vous loupez votre passage à l'UTAC une fois. Imaginez que vous n'avez pas l'habitude, c'est la première fois. Vous le loupez. Et bien, la prestation de service que vous avez donnée à la société d'homologation va permettre de payer votre deuxième passage. Et je vous souhaite de surtout pas louper le deuxième passage. Sinon, ben, vous allez repayer, vous allez perdre de l'argent. Donc moi, personnellement, je me suis dit, à ces 1700 euros d'économie, tu rajoutes un potentiel catalyseur, des vides de rétroviseur, une modification de faisceau, etc., etc. Tu vas vite à 700, 800 euros de pièces. Bah, du coup, pour économiser 1000 euros, tu vas te faire chier et risquer d'en perdre plus. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le choix de passer par un professionnel. Donc voilà combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 5000 euros. En termes de délai, la première chose à faire, c'est le contrôle technique. Donc le contrôle technique est passé en octobre, le 20 octobre. Donc on va dire novembre, décembre, janvier, plus mi-octobre, 3 mois et demi pour homologuer mon véhicule. Voilà. Alors on n'a pas lancé les démarches tout de suite, c'est pour ça que j'insiste bien, je l'ai reçu en juillet. On a lancé le processus au mois d'octobre et j'ai eu ma carte grise au mois de janvier. Et bien évidemment, les plaques, c'est moi qui les ai fait faire en parallèle dès que j'avais reçu le papier de la carte grise. Enfin, dès que j'avais reçu tout simplement la carte grise. Donc voilà, 3 mois et demi de délai, ça m'a coûté 5000 euros et j'aurais pu économiser jusqu'à 1700 euros en le faisant moi-même. Mais comme je vous dis, honnêtement, 1700 euros sur un achat à 40 000 euros avec le risque de que ça vous coûte plus cher, personnellement, c'est pas un conseil que je peux donner. Voilà. J'ai connu également des gens qui avaient fait eux-mêmes et au final, ça leur a coûté bien plus cher parce qu'ils ont loupé l'UTAC 3 fois, en l'occurrence, celui dont je vous parle. Et du coup, ça lui a coûté bien plus cher que s'il l'aurait fait faire. Mais du moins, il a gagné en expérience. La prochaine fois, il se fera pas avoir. Mais voilà. Faut le savoir, faut le faire. Moi, je pars du principe qu'il y a des professionnels, c'est leur métier. Je trouve que la prestation est pas excessive. Donc, personnellement, je préfère déléguer, être peinard, pas perdre de temps et être sûr que ça passe du premier coup. Parce que bien évidemment, si l'UTAC est refusé, bah, c'est à la charge du professionnel qui vous le passe, puisque vous, vous payez uniquement un forfait. Donc lui, il fera tout en œuvre pour que votre véhicule passe du premier coup. Sinon, c'est à lui que ça va coûter de l'argent. Et du coup, il gagnera tout simplement pas d'argent sur votre voiture. Donc voilà pour cette partie-là.
Donc une fois qu'on a tout passé, que la carte grise a été faite, c'est là où j'ai envie de dire que ça a pris le plus de temps. Parce que le plus long a été entre la Dréal et la préfecture. C'est là où ça a été très très long. Donc sur les 3 mois et demi, en gros en 1 mois et demi on a mis l'UTAC et la Dréal. Et en 2 mois on a eu seulement la carte grise. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Tout a été relativement vite et s'est fait rapidement. Par contre la carte grise ça a été une galère. Et quand on parle de galère, maintenant on va s'y attarder un petit peu parce que vous voyez... Forcément, hein, ça pouvait encore pas bien se passer. Sinon, ça aurait pas été drôle. Vous voyez, j'ai 2 cartes grises. J'ai 2 cartes grises pour le même véhicule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, ben, 2 mois après le passage à la Dréal, donc Romain m'avait dit, attention, c'est un petit peu long, l'administration, on n'a pas de nouvelles et un beau jour, il t'appelle pour payer. Donc du coup, tu payes par téléphone, donc tu appelles un numéro, tu payes par téléphone, machin. Et du coup, ils te font payer, alors là, c'est la blague, hein, c'est qu'ils te font payer ta carte grise et après, il dit, bah, du coup, on va vérifier ensemble. Non, généralement, tu fais vérifier et après, tu payes. Quoi. Voilà. Et au moment donc j'avais payé ma carte grise, alors intéressant aussi, tant qu'on parle de prix, hop, j'ai payé 47,76 € ma carte grise. Parce qu'il y en avait plein qui disaient oui, tu vas avoir une taxe de poids, puis de toute façon, les cartes grises flex fuel, tu dois quand même les payer, etc. Non, j'ai payé 47 € de carte grise. Pourquoi? Parce que le véhicule est flex fuel d'origine, donc tu payes pas les taxes. Et qui plus est, il n'est pas soumis aux taxes de poids, contrairement à ce que certains ont pu m'affirmer dans les commentaires malgré mes explications. Donc la réponse, elle est là, vous voyez, 47 €. Donc je reviens sur mon explication, ils me font payer et là ils me vérifient après. Donc en fait, je ne vais pas vous donner mon adresse complète, mais ils se plantent dans mon adresse à 2 reprises sur une seule ligne. Du coup, je leur dis bah non, c'est pas bon. Donc en gros, c'était ma faute. Donc je leur dis bah non, en fait, je vous ai fourni des justificatifs de domicile, donc contrôlez. Et là, elle m'a fait le contrôle, elle me dit ah ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait pour se tromper 2 fois sur la même ligne quoi. Donc je lui dis bah du coup, on fait comment? Bah, c'est pas très grave, hein. J'ai dit non, non. Non, parce que moi, le jour où je vends ma voiture ou j'en sais rien, je reçois un PV, si tu veux, si c'est pas la bonne adresse, c'est sur moi que ça va tomber, quoi. Donc, je dis, bah, non, en fait, il faut la refaire, quoi. Et donc, là, elle me dit, ce qu'on va faire, c'est que, parce que du coup, on pouvait pas la refaire puisqu'elle m'avait déjà fait payer. Donc, en fait, c'était validé. Donc, elle me dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous réimprimer une étiquette et je vais vous l'envoyer et vous la collerez sur la carte grise. Ok, déjà, ça fait un peu manouchelande, quoi, tu vois. Et elle me dit quoi? Elle me dit, je lui dis, ouais, mais du coup, pour recevoir ma carte grise, je fais comment? Parce que c'est pas la bonne adresse. Vous connaissez le facteur? Bon, pas spécialement, c'est pas mon pote, quoi. Ah, bon, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vous l'envoie quand même, et puis on va prier pour que vous la receviez. D'accord, voilà, je vous parle de la préfecture quand même. Donc du coup, ils me l'ont envoyé, on a prié que ça arrive, et c'est arrivé, malgré que l'adresse n'était pas bonne. Donc, coup de chance. Mais du coup, je me retrouve avec une carte grise, avec 2 fautes dans mon adresse. Bon, bah, je me dis, c'est pas grave, je vais attendre la fameuse étiquette quoi, qui doit arriver, puis 1 semaine, puis 2 semaines. Pas d'étiquette. Et puis, la semaine dernière, je reçois un recommandé. Je dis, merde, tu sais quoi, tu reçois un recommandé, généralement, c'est les impôts parce que tu as la taxe foncière, que tu as oublié de payer ou des trucs comme ça. Quoi, tu vois. Du coup, je me dis, bon, putain, il va falloir encore lâcher des sous. Quoi. Et non, la préfecture française qui m'envoie une 2e carte grise. Voilà, formidable. Donc du coup, je me retrouve avec 2 cartes grises pour la même voiture. Il y a juste une lettre de différence dans la rue. Voilà, c'est formidable. C'est vous posez pas de questions. C'est l'administration française. Ces gens-là, quand ils font pas grève, ils bossent pas bien dur. Allez, je vais me faire des ennemis, mais bon, c'est un petit peu vrai quand même. Ils sont pas fatigués, les gars. Voilà un petit peu pour résumer toute cette phase, je dirais, d'homologation entre le moment où j'ai reçu la voiture, le moment où on a fait toute la paperasse et le moment où j'ai reçu définitivement mes plaques d'immatriculation. Donc là, aujourd'hui, le véhicule est en plaque complète. Donc j'ai la carte grise française, j'ai les plaques françaises, j'ai une immatriculation française. Mais, et oui, il reste encore une petite étape, c'est ici. Il y a des spécificités, c'est comme ça qu'ils disent, du véhicule qui ne sont pas, je dirais, normalisés, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, sur le territoire français. Donc du coup, en fait, vu qu'elle est passée à l'UTAC au niveau sécuritaire, etc., qu'elle est passée à la Dréal, mais qu'il reste notamment la largeur du véhicule, elle est en format américaine, donc elle est plus large. Remarque, j'ai peut-être les informations précises dessus, plutôt que de vous donner des exemples qui peuvent être peut-être...
Voilà, éclairage et signalisation, donc doit y avoir, alors là je peux pas vous dire, c'est pas mon métier d'être homologateur, donc je pourrais pas vous dire, mais en gros niveau éclairage et signalisation, il reste quelques petites choses, parce qu'encore une fois, vous allez pas inventer des phares Ford pour votre voiture. Donc on a changé, enfin ils ont changé le faisceau de clignotant pour que ça clignote orange, la cadence, etc. Mais du coup, il y a quand même des choses certainement que tu ne peux pas modifier parce que t'es pas fabricant de pièces quand t'es homologateur. Et donc, c'est aux normes, mais ça a l'air d'être un petit peu voili voilou quoi. Donc du coup en fait t'as des arrêtés ici tu vois et qui te permettent, donc ça c'est un document que tu reçois une fois que t'as tout homologué, donc c'est pas Saluta qui a l'adrel, c'est un document que tu dois avoir obligatoirement dans ta voiture parce que sinon tu peux pas passer au contrôle technique parce qu'il y a certains points qui en l'état ne passeraient pas au contrôle technique, mais en gros c'est un document de l'état tu vois qui te permet de dire ma voiture a été importée d'un pays américain. Donc américain ou Dubaï, etc. en l'occurrence. Donc elle a été homologuée, mais tu vois, j'ai une autorisation, une dérogation du ministère de l'écologie ou de j'en sais rien, de la préfecture, qui me permet de rouler avec malgré ces points qui techniquement ne passeraient pas au contrôle technique. En gros, pour résumer, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc ça, vous ne devez surtout pas perdre ce document-là, puisqu'il vous permettra à chaque contrôle technique de devoir le présenter pour obtenir votre contrôle technique. Sinon, il y a des points qui peuvent être refusés. Alors là, en l'occurrence, je vous lis juste, ouais, en application de la circulaire, bon bref, on s'en fout, 93, le directeur de la sécurité de la circulation routière, il est dérogé au point suivant, éclairage et signalisation. Donc je ne sais pas quel point de l'éclairage pose problème, je ne peux pas vous le dire. Avertisseur acoustique. Donc ça, je me dis peut-être que c'est le klaxon qui a pas la même tonalité qu'en France. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est des points. Il y a le freinage. Donc certainement que il y a un truc qui est lié au freinage qui est différent. Visibilité arrière du conducteur. Alors là, c'est pareil. Je n'en sais rien moi de ce qui change. Est-ce que c'est la teinte de la vitre? Est-ce que c'est l'angle? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, ça fait partie des dérogations. Donc voilà, j'ai des dérogations pour tout ça qui me permettent aujourd'hui de pouvoir passer sereinement au contrôle technique, malgré quelques petits points qui sont certes peut-être pas aux normes françaises, j'en déduis. Je pourrais pas vous dire précisément ce que c'est encore une fois. Mais en gros, vous recevez ce papier hein, qui n'est pas inventé, qui est tout simplement tamponné de l'adréal. Donc tamponné de l'adréal, signé par le directeur et l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines. Voilà. Et ça, c'est un papier officiel qui vous permet d'aller voir votre contrôleur technique et de lui dire « Coucou, voici ma dérogation. Donc oui, il y a des points non conformes, mais du coup, mon véhicule est homologué en l'état et peut rouler en l'état sur le territoire français. » Donc je pense que j'ai parcouru l'intégralité de ce parcours, je dirais, d'homologation. Maintenant, on va parler un petit peu, est-ce que ce serait à refaire? Alors si ce serait à refaire l'homologation, j'aurais pas de problème. Je dirais que c'est chiant parce que tu dois faire des allers-retours, etc. Mais honnêtement, j'en étais conscient et j'ai pas eu de problème en particulier. Est-ce que je réimporterai un véhicule? Ça, c'est moins sûr parce que vous connaissez toutes les galères que j'ai eues dessus. Franchement, ça m'a un petit peu dégoûté. Donc, du coup, pas forcément envie de réitérer l'expérience. Est-ce que ça a été compliqué? Alors, je pense que ça aurait été compliqué si je l'aurais fait moi-même, puisque franchement, il y a tellement de paplards. Donc, contrôle technique, certificat de conformité, je savais parce que j'ai déjà importé des véhicules internes à l'Europe. Par contre, tout ce qui va être Dréal, UTAC, dérogation et tout le bordel, je n'avais jamais fait. Et je pense qu'on a vite fait de s'y perdre si on ne connaît pas. Pareil pour tous les points de contrôle à modifier avant l'UTAC, il y en a énormément. Et franchement, ça reste un métier. Donc, est-ce que je l'aurais fait moi-même? Non. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fait moi-même? Non. Est-ce que je suis content d'être passé par un professionnel? Oui. Parce que j'ai presque aucun doute que je n'aurais pas passé l'UTAC du premier coup et que ça m'aurait coûté un deuxième passage et que j'aurais fait chou blanc. Donc, j'aurais pas gagné d'argent, mais j'aurais perdu du temps. Est-ce que ça a été chiant et long? Non, j'ai pas eu de problème en particulier. Mis à part les rendez-vous, du coup, qui sont un petit peu espacés parfois, j'ai pas eu de problème, ça s'est bien déroulé. Ardecar Service a été très pro. S'ils ont pris des rendez-vous, machin, tout était bien planifié. Franchement, aucun problème là-dessus. Je dirais que les seuls problèmes que j'ai eus sont liés à l'administration française, donc aux douanes à l'arrivée du bateau et à l'émission de la carte grise par la préfecture. Pour ce qui est de la prestation de service d'Ardecar Service, je n'ai eu aucun problème. Donc voilà les amis, maintenant vous savez un petit peu comment ça se passe, le parcours, le prix. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous êtes les rois de l'homologation. Je vous mettrai bien évidemment en description le lien d'Ardecar Service si vous souhaitez faire homologuer votre voiture.
Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux voir des vidéos de ce type ou de la mécanique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en mettant la petite cloche pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos. Allez, à très bientôt, ciao!